le soir et le matin, je l'appelle pour savoir s'il est vivant. Chaque jour, il va récupérer les blessés dans les endroits extrêmement dangereux, c'est-à-dire là où il y a la guerre, où il tue les gens civils. Tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je veux voir le message que ça va. Voilà, c'est tout ce que je veux. Vous entendez, il y a encore de la sirène. Tous les demi-heures, il y a des sirènes. C'est presque la situation en commun. Il y a beaucoup de blessés, les patients qui n'est pas militaire, qui n'est pas militaire, parce que si vous connaissez ici, à côté de Kiev, il y a un petit village, Boucha, Irpin, Gostomel. Maintenant, ça n'existe pas, ce village. Et tout le monde non militaire, civil, il y a plein de morts, il y a plein de blessés pour tout ça. Et on a fait organiser le corridor vert, mais ça ne marche pas. Mais 3 jours complets, on restait dans le bus. Il est parti donc d'abord la Roumanie, ensuite l'Allemagne, Autriche et ensuite la France. Mais on ne peut pas rester ici longtemps parce que je ne veux pas embarrasser les gens. Donc je suis très reconnaissante, énormément reconnaissante qu'on ait été accueillis si bien. Mais voilà, il faut évidemment qu'on trouve la solution. Le plus difficile, c'était d'expliquer à mes enfants pourquoi on est parti et pourquoi on doit aller chez quelqu'un, pourquoi on ne peut pas venir à la maison. Le plus difficile, c'était de voir ses pleurs, quand il pleurait en disant « je veux à la maison, maman, s'il te plaît, amène-moi dans la maison ». Ça, c'était le plus difficile. J'espère bien que les enfants pourront aller à l'école. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le plus petit parce qu'il n'a pas encore 3 ans. Mais j'espère qu'ils ils pourront aller à l'école parce que moi, je voudrais travailler pour avoir de l'argent. Juste pour vivre, il me faut de l'argent, donc je suis prête à travailler, mais je ne sais pas comment trouver le travail avec les 3 enfants s'ils ne vont pas à l'école. Donc je vais faire tout pour qu'ils aillent à l'école.